mm Beaucoup, mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Mes étoiles d'amour, <coughs> le village brille. Le village brille énormément. Je veux beaucoup, 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 beaucoup de cœur. Parce que j'ai eu beaucoup de postes qu'on a signalés. Donc beaucoup, beaucoup de cœur, mes étoiles d'amour vous faites briller le village. Le village des étoiles doit briller. Et quand vous vous connectez, mes étoiles qui me soutiennent, je ne parle pas des ennemis, quand vous vous connectez, vous partagez massivement les maris Gisèle. C'est-à-dire quand vous venez bombarder seulement les cœurs pour protéger le live. C'est comme ça qu'on soutient le village virtuel des étoiles. Coucou mes étoiles d'amour, j'espère que vous allez bien. Je fais ce petit live. Je suis en joie. Et je suis en colère. Je vais d'abord commencer par le live de la joie, le live de la bonne humeur. Bruno Bidian est libre. J'ai toujours dit que dans la vie, lorsqu'on est pour la bonne cause, il faut être impartial. Je suis le genre de personne, même si tu es ma personne, si tu as tort, tu dois payer. J'avais dit ici que Bruno est parti en prison dans le dossier de Martinez Zogo. La justice camerounaise sait pourquoi. Mais après, on a libéré Bruno Bidian. Tout allait très bien. Bruno avait recommencé ses activités comme tout le monde. Et dès que Bruno est venu parler des problèmes de société, les camerounais l'ont acclamé. Les camerounais étaient contents. Les camerounais l'ont motivé. Les autorités n'ont pas aimé. Ils ont profité du, de l'occasion de la pluie pour venir foutre le bordel dans le torrent. Ils ont récupéré Bruno. Mais comme ici sur les réseaux sociaux, on a décidé de prôner pour la division des Camerounais. Certains sont venus se verser sur moi. Mais je savais que ce que je défendais était juste. Six mois plus tard, voilà Bruno Bidian qui est libre, qui est dehors. Je serai toujours sur cette page pour la justice, pour ce que je juge juste. Je voudrais m'adresser à Bruno Bidian. Pub d'Esta, bonne arrivée, mes étoiles, abonnez-vous massivement sur la page de, la, de Pub d'Esta. Soutenez les nouveaux blogueurs, les nouvelles pages pour les encourager. Pub abonnez-vous, vous tous qui me suivez là-bas. Même si vous voyez quelqu'un que j'ai soutenu hier m'insulter, c'est pas grave, c'est le game de Facebook. Ne mettez pas trop les organes. Vous comprenez mes étoiles. On doit se soutenir entre nous, les Camerounais. Cantatou, le village brille, mon étoile, tu vas parler du problème d'un Dolomoulema. D'un Dolomoulema, quand il faut sensibiliser. Non, Cantatou, je ne sensibilise pas avec le genre de dossier-là. C'est trop sale. Je suis désolée, franchement. Même parler de ça, ça m'intéresse. Voilà, donc je disais tantôt... Euh, je suis contente que Bruno soit libre. Je suis désolée, mes étoiles d'amour. J'ai un peu perdu le fil de, de, le fil de mes idées, donc je ne vais pas faire semblant. Bref, envoyez ce message à Bruno. Nino Coco, partagez massivement mes étoiles. Attendez, je fais d'abord une pause. Je vois que mes anciennes étoiles sont dans le live. Mon chef du village est là. Donc là, je peux donner les ordres à mes abonnés. À partager d'abord dans dix groupes mes étoiles d'amour. Dix groupes chacun. Nino Coco, 100 millions de groupes. C'est lui le chef du village. Vous, les, vous mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Beaucoup, 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 beaucoup. Mmh, je t'aime Nino Coco. Je vous aime mes étoiles. Donc quand hein, mes, mes, mes vraies étoiles sont dans le live, je sais. Quand les sympathisants aussi, comme Takam Tachou, qui même sont là, je sais. Le village brille, les lises. Je voudrais m'adresser vite fait à Bruno Bidian. Frère, okay. la toile est divisée. Le Cameroun est divisé. Il y a beaucoup de haine. Bruno, que tu viennes aujourd'hui parler pour les faits de société il y a un groupuscule de personnes sur la toile qui t'ont déjà peint en noir. Et ces personnes font beaucoup de mal sur la toile. Ils ont beaucoup d'impact négatif sur les Camerounais. Fais très attention. Ne te mêle plus des histoires des Camerounais. Ne parle plus des problèmes des Camerounais. S'il vous plaît, envoyez ce message à Bruno. Bruno, tu es parti six mois en prison lis les commentaires sur les postes. Les gens disaient que tu as cherché, que ce qui t'arrive, tu mérites. C'est là où tu comprends l'individualisme du Camerounais. C'est là où tu comprends que le Camerounais mérite son sort. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un, même si tu le détestes, il vient filmer les routes délabrées de ton pays. Il montre les eaux insalubres que tu bois. Tu apprends qu'on l'a enfermé. Tu n'as pas un peu de compassion parce que tu manques. C'est à cause d'un autre dossier, juste parce qu'on est divisé. Juste parce qu'on est divisé. Est-ce que vous m'entendez mes étoiles? Il y a Alexandre qui dit qu'on ne m'entend pas. S'il te plaît, Alexandre, si tu m'entends, ne me fais pas perdre le fil des idées. Parce que là, je suis déjà partie. Je veux pas faire un long live. Je devais aller faire mes, mes, mes factures en bas et je ne veux pas rester longtemps. Donc, Bruno. Ils se moquaient de toi quand tu étais derrière les barreaux. On montait les cabales contre nous, les blogueurs, pour dire qu'on est toujours du mauvais côté parce qu'il y a la division. Merci Nino Coco. Sur la toile, j'ai eu pitié. J'ai eu mal. Profite de ta femme. Profite de ton enfant. Désormais, travaille pour toi. Multiplie les efforts, l'énergie pour ta famille. On m'appelle toujours quand je suis en live. Merci Vickers, Lucie. Attendez, je salue d'abord quelques de, des étoiles qui viennent d'arriver. Foué, Emma, le village brille mon étoile. Carla, Bessolo, le village brille. Leslie, le village brille. Mon chou du village, Nino Coco, le village brille. Jean-Marie, le village brille. Vickers, le village brille. Virginie, le village brille. Marie-Jeanne, le village brille mon étoile. Alexandre, le village brille. Fatia, ici, le village brille. Ah, attends, je vois mes vieilles étoiles dans le village. Non. Oh, ça me sucre. Attendez un peu mes étoiles, je crie un bon coup de gueule. Mathis, Lucas. Mais si tu sais pourquoi tu fais des bruits. Lucas. Si tu fais encore des bruits quand je fais le live, je ne t'amène plus à la plage. Donc. Tu m'obéis ou tu décides de faire des bruits? Tu décides de faire des bruits? Hein? Est pas gentil. Eh ben c'est gentil. Voilà. Merci Serge, merci beaucoup. Donc j'ai compris une chose. C'est que chacun doit batailler pour sa gueule. Voilà. Les Camerounais ne méritent pas que quelqu'un se sacrifie pour eux. Parce que les Camerounais ne sont pas prêts. Donc Bruno. Tu viens de sortir, je suis contente. C'est comme si c'était mon frère qui est dehors. Fais profil bas. Fais tes reportages habituels sans t'attaquer au gouvernement. On nous a dit ici qu'on ne fait pas la force avec le gouvernement. Que l'État est un monstre froid. Applique ça pour ta vie, pour tes enfants, pour ta petite femme. Ne joue pas avec l'État. On nous a appris et on va capter la leçon. On a dit à Samuel Eto que. Calme-toi, Samuel, l'État est un monstre froid. Ça veut dire que nous aussi, on doit comprendre, retenir que l'État est un monstre froid. Et on doit faire attention à nos interventions. Donc, Bruno Bidian, ne te mets plus dans les problèmes des Camerounais. Quand on sera nous tous prêts, on va arrêter les guerres qu'on se fait entre nous. Tout à l'heure, j'étais sur le panel de Ducamer sur TikTok. Un très beau panel, parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait fait avant. Je suis arrivé par inadvertance et je voulais être sûr qu'il ne va pas encore s'en prendre à la communauté douala. Donc j'ai écouté et le panel était, ça m'intéressait beaucoup. Mais je ne vous mens pas, mes frères camerounais. Un beau panel. Mais quand vous écoutiez les gens, je me mets dedans. Hein. Il y a la méthume dans les cœurs. C'est-à-dire que nos tribus sont divisées. C'est-à-dire que chacun défend sa tribu. On ne parle plus pour le Cameroun. C'est chacun qui veut d'abord voir son village devant. On ne veut plus être ensemble. Mais sauf qu'il y a encore certains qui font semblant. Si vous écoutez ce qui se disait sur le panel, vous allez vous rendre compte que le Cameroun est dans le bain. Ce n'est pas le gouvernement le problème des Camerounais. Je comprends ça aujourd'hui, sur certains points. Attention, ce n'est pas le gouvernement. C'est entre nous parce qu'on s'est laissé avoir. Chacun, c'est chacun qui rejette le tort sur l'autre. Oh, si les doigts sont comme ça, c'est parce que ce sont les Bamilékés qui nous ont énervés. Oh, attention, si les Bamilékés sont comme ça, c'est parce que c'est vous les bétis qui nous aviez rendus comme ça. Personne n'accepte son tort. Personne ne se dit à un moment donné qu'il faut déposer l'éponge. On a un pays à sauver. Mes frères, quand il y a les catastrophes au Cameroun, vous ne nous rappelez pas qu'on ne s'entend plus. Quand il faille demander justice, vous ne nous rappelez pas que nos, nos villages ne s'entendent pas. Vous voulez la force de tout le monde. Eh! Hey. Le bateau du tribalisme dans lequel on navigue là, ça va nous dépasser. Vous entendez avec quoi? Comme tout ce que les qui tribuns disent, c'est pour vous manipuler là. Tant que moi je dors en paix, ma conscience ne me reproche de rien. Je vis ma vie tranquille. Le bateau du tribalisme dans lequel vous naviguez là, on navigue là, il y aura naufrage. Et notre pays va rester seul à l'abandon si vous ne stoppez pas les dégâts. Je dis bien si vous ne stoppez pas les dégâts. Il est inadmissible que parce qu'on a souvent des mésententes sur Facebook, peut-être parce que j'ai défendu une personne que tu n'aimes pas, ou tu as défendu une personne que je n'aime pas, qu'on n'arrive pas à faire la part des choses sur un panel qui est censé élever le Cameroun. Nous souder. On voit les gens entre avec la méthume. Je vais donner la dose de la fila. En ce temps, je ne dis rien de méchant. C'est que la personne vient que, ah, peut-être un je avait défendu Bruno Bidjan. Attention, Bruno Bidjan est du RDP, c'est la fila, devient mon ennemi. Ce n'est pas comme ça. La politique n'est pas faite pour diviser les gens. Ce n'est pas fait pour diviser. La divergence d'opinion n'est pas faite pour diviser les tribus. La divergence d'opinion, c'est comme la divergence de culture. C'est pour nous grandir. C'est pour nous donner une autre connaissance. Parce que personne n'a la science infuse. Mais vous n'avez pas compris ça. Comme je n'aime pas parler derrière, il y avait un monsieur là-bas qu'on appelle Camoua la Panthère. Mes étoiles d'amour, si vous allez regarder le panel là. Le gars-là a toute la colère du monde. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Comme j'ai vu qu'il était colérique. Et que j'ai vu qu'il cachait ce qu'il voulait vraiment dire. Il tourbillonnait comme ça. Je lui ai balancé cash. Parce qu'il fallait qu'on en parle. Qu'il fait partie des gens qui ont créé le tribalisme ici sur la toile. Hmm? Attendez un peu. Hum? Oui, pourquoi tu dis ça Je lui ai dit qu'il fait partie des gens qui ont créé le tribalisme ici sur la toile. Parce que moi, je suis en France depuis. Je sais que les Camerounais ont toujours vécu entre eux. Il est incapable de reconnaître. Il commence à me parler en parabole pour dire que moi, je ne parle pas aux gens qui sont venus sur les réseaux sociaux chercher la visibilité avec le MSC. Je n'ai jamais cherché la visibilité avec le MSC. C'est vous qui êtes venus me trouver. Parce que je parlais pour l'intérêt du Cameroun. Et ça tombait que... On avait les mêmes idées. Parce que personne ici sur la, ici sur la toile ne sait ce qu'il va dire, qui va le rendre star. Donc vous ne pouvez pas dire que parler du Cameroun, l'étoile qui vient à parler du Cameroun, c'était calculé. Non. Ce sont des douleurs que j'ai depuis l'enfance qui m'ont amené sur la toile. Parler des fléaux de mon pays, c'était important pour moi. Donc quand j'entends qu'à moi la panthère ose manquer le respect au combat que je mène sur la toile à mon niveau qu'à moi, j'ai mal au cœur parce que même si moi je suis fâché contre toi, il y a des combats que tu mènes sur lesquels je ne peux pas venir m'azarder de te manquer de respect parce que ce sont des combats nobles. Mon frère, on ne fait pas la politique quand on n'est pas mature. La politique c'est pour les personnes qui étaient à l'école un minimum. Et qui a un minimum qui ont un minimum de sagesse du village, parce que la politique ce n'est pas les ennemis, un débat où on n'est pas d'accord, ne fait pas de nous des ennemis. Je ne sais pas si vous regardez l'Assemblée, les le, 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 Français là, le Sénat ils finissent de s'engueuler pour leur pays quand ils finissent, ils vont boire un café ensemble. Vous vous faites la politique pour faire les ennemis avec les gens après. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un débat d'idées. C'est un échange, c'est un apport de chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on suive cette route Toi, tu dis que non, casse là-bas. L'autre te dit que ta tête, tu casses quoi là-bas Tu ne vois pas que l'eau va sortir. Ça part dans tous les sens. Et après, on trouve un terrain d'entente. La politique, ce n'est pas insulter les gens, détester une tribu. La politique, c'est... Construit son pays. Mais quand tu vois, comme moi, la panthère sur un panel, mais le gars-là a une tonne de haine. Et tu veux qu'on soit ensemble pour changer les choses au Cameroun, comment mon frère Il est même descendu du panel parce qu'il n'est pas content. Est-ce que tu as remarqué que moi, je suis resté sur ce panel Il y a une fille qui vient. Oh, attends, du camel laisse un peu. Je vais ramasser l'étoile. On vous a dit que la politique, c'est ramasser quelqu'un. Hein? On vous a dit qu'un débat qui peut faire avancer le pays, c'est venir s'attaquer à quelqu'un personnellement. Et c'est ce que vous dites que vous êtes intelligent? Hein? Merci, Ousmane. C'est-à-dire, quand j'ai vu les, euh, la haine et la colère de certaines personnes sur ce panel, j'ai dit que. Merci à certains membres du gouvernement qui ont réussi à nous détruire comme ça. Franchement, mes étoiles d'amour, le Cameroun et nous, nous sommes dans un chantier. Je ne suis pas sûr qu'on va terminer les travaux. Merci, Ousmane, que Dieu te bénisse. Nino Coco, je ne suis pas sûr qu'on va terminer le chantier. À ce rythme-là, ça ne va pas. Quand aujourd'hui, si on insulte les doigts-là, si les toits qui viennent défendre les doigts-là, les autres peuples pensent que c'est le tribalisme. Non. Avant d'appartenir au Cameroun, tu viens de ton village. Si on insulte ton village, tu peux te permettre de dire que non, ça ne se fait pas sans insulter les autres villages. Il y a les frères Bamléke ici, quand on les insulte, ils viennent se défendre. Mais tu as l'impression que il m'en veut moi d'avoir dit à un individu, ne te permet pas de dire ça des doigts là, ça veut dire que c'est du tribalisme. Mais il y a un problème. On ne peut pas non plus voir le tribalisme dans toutes nos actions. Si on voit le tribalisme dans toutes nos actions, eh bien c'est que on se hait déjà. Et vous voulez construire quoi avec la haine mes frères C'est nous qui sommes en diaspora qui pouvons construire le Cameroun. Je vais vous dire en toute sincérité, les Camerounais du Cameroun ne peuvent pas construire le Cameroun, ils n'ont pas l'intelligence qui va avec. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas diplômés. Les diplômes ne font pas forcément la, la sagesse. Ils ne sont pas allés voir ailleurs. Ils ne connaissent pas autre chose que ce qu'ils vivent depuis la nuit des temps. Ils se contentent de ce qu'on leur donne. Donc c'est nous qui avons quitté nos terres, voyagé, venir voir le modernisme dans les pays développés. C'est nous qui pouvons aller leur dire que les conditions de vie dans lesquelles ils vivent ne sont pas dans les normes et qu'il faut qu'on améliore ces conditions avec le changement. Mais si nous, dans la diaspora, on passe le temps à se haïr juste parce que on n'a pas les mêmes idéologies politiques, on n'a pas les mêmes bords politiques, ou bien quelqu'un a défendu quelqu'un que tu n'aimes pas, tu as gardé dans le cœur. Mais on peut avoir le cœur des poules comme ça. Hmm? Si tu n'aimes pas Bruno Bidjan, les toits qui viennent défendre Bruno Bidjan, ça veut dire que demain on ne peut pas demander l'eau potable dans notre pays ensemble? Si tu combats Samuel Eto, je je, moi je défends Samuel Eto, ça veut dire que je ne peux pas aller voter le nom d'un nouveau président avec toi demain? Hmm? Il faut les voir avec les insultes du quartier. Wow, oh, ferme ta bouche! Hein? On a acheté tout dans ton village, mais Douala n'est pas fait pour seulement les Douala. Lorian nous te bisous. Douala n'est pas seulement pour nous. Si tu, veux, si je veux que Douala soit seulement pour nous, eh bien je dis à mes frères et soeurs de ne plus aller faire les enfants avec les gens d'ailleurs. Mais du moment où on commence à s'accoupler avec les autres ennemis, il faut accepter que les autres ennemis viennent chez nous. Qui est les autres rurales? Il faut l'accepter. Les gens ne vont pas seulement rester à la campagne. Il va bien falloir qu'ils se déplacent de la campagne pour venir en ville, peupler la ville, développer la ville. Pourquoi vous avez des idées saugrenues comme ça? On t'explique que oui, les là ont vendu les terres. Les douanes ils ont vendu ces terres beaucoup. Ces terres ont vendu volontairement. D'autres ont vendu par dépit. C'est un fait. Mais toujours est-il que ça a été vendu. Mais quand ça a été vendu, même si c'est un bamileke, même si c'est un écant, si tu viens acheter la terre chez l'étoile qui vienne, et tu es mon voisin, je t'entends dire que tu as vendu ça parce que tu es une fainéante, tu ne peux pas développer ta terre, ça va monter ma jalousie. Si toi qui as acheté ma terre, tu m'entends dire, moi qui t'ai vendu le terrain, ce sale port-là, il sait même à quoi ici Ça va monter ta jalousie. Donc ça veut dire que des deux côtés, on doit essayer de mettre de l'eau dans notre vin pour qu'on ne vive plus cette situation. Mais vous êtes sur le panel. Il faut à tout prix que vous trouviez un bouc émissaire pour porter tous les problèmes qui créent le désordre au Cameroun. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, ayons l'honnêteté de dire que, toi, mon frère Douala, voilà, voilà ce que je te reproche. Toi, mon frère Bamileke. Voilà ce que je te reproche. Toi, mon frère quand voilà ce que je te reproche. Mais dès que toi, on te dit que voilà ce qu'on te reproche, tu dis que non, toi, tu n'as jamais rien fait, tu es sain. Mais si, vous tous, si nous tous, nous sommes sains, qui a donc tort Si nous tous, nous faisons bien au Cameroun, pourquoi ça ne va pas Pourquoi on se déchire Donc on est bien d'accord qu'il y a un problème à remédier et comment on le remédie s'il faut qu'on ne vive plus ensemble, optons pour le fédéralisme. Chacun va gérer son village. Chacun, chacun, chacun n'aura pas besoin d'un seul président. À ce rythme-là, je pense que c'est peut-être comme ça que c'est mieux. Et ici, quelqu'un ne va pas dire que, oh, elle est en train d'ironiser. vont aller dit que, regardez, ce qu'elle dit, elle veut diviser les peuples. C'est de l'ironie. Mais en même temps, il faut se poser les bonnes questions. Hein? Qu'est-ce qu'on veut? la longue durée du régime Pomba a traîné la population du 237 dans une haine. Lauriane Loute, j'aimerais te poser une question. Je suis d'accord avec toi. Mais si aujourd'hui Paul Bia quitte le pouvoir, quel est le Cameroun que tu attends à voir demain? Puisque cette haine-là, même Bia parti demain, elle va continuer. Hein? Parce que les cœurs sont pleins. Les gens en ont beaucoup dans leur ventre. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'aujourd'hui. Si on a les enfants, les enfants, si aujourd'hui on a un président, l'autre va dire que ce n'est pas de mon village, je ne le veux pas. On s'attend à quoi Parce que c'est ce qu'on est, ce qu est en train de subir. Ne faisons pas semblant. Parce qu'on aime dire ici sur la toile que cette étoile qui est bien manipuler les gens, vous êtes les enfants pour qu'on vous manipule. On peut manipuler un Camerounais avec un cerveau développé comme le tien. Qui manipule qui hmm? Pomba doit partir. C'est Pomba aujourd'hui en diaspora. Y a pas euh, Paul Biya n'est pas dans la diaspora camerounaise. Il est là-bas au Cameroun. Dites-moi pourquoi on ne s'entend pas dans le pays des gens. Dites-moi pourquoi on ramène notre guerre tribale du Cameroun en France. Parce que Biya n'est pas en France. Son gouvernement n'est pas en France. Dites-moi pourquoi aujourd'hui on monte sur les panels Paul le n'est pas là et ça crée des conflits de village. Dites-moi. Euh, Diamant brut, Ondoa. Voilà les langages que je n'aime pas, ma grande. Pourquoi tu parles avec un langage Boa Il y a une vidéo où ces bami te traitent de tribaliste, alors envoie-leur l'ascenseur. Pourquoi avoir peur de parler Diamant brut. En doit. Je ne parle pas avec une langue de vipère ou de boa. L'éducation que j'ai reçue de mes parents, d'accord M'a appris à dire la vérité dans le respect des autres. Ce n'est pas parce que je vais dire ta maman qu'on va mieux m'entendre. Moi, je ne suis pas un animal, je suis pas une baba. Si je peux apaiser les cœurs, ce n'est pas parce qu'ils ont fait un panel pour m'insulter. J'en ai un à foutre. Lorsque tu dis, par exemple, c'est Bamilike. C'est pas tous les bamileke qui m'insultent ma grande. Je ne vais pas me faire avoir. Je ne vais pas tomber dans le panneau de ce que ces gens font parce qu'ils sont malins. Ils vont m'insulter sur un panel entre cette minorité de bamileke mais les gens n'auront pas vu le panel. Et si je viens tomber dans leur piège, ils vont mélanger même mes vrais abonnés. Moi je suis suivi par toutes les communautés. Ma chérie, je ne tombe pas sur ce piège. Ce ne sont pas tous les bamileke qui peuvent m'insulter, c'est faux. Je peux te montrer mes commandes ce mois sur mon site internet. Tu vas voir que j'ai toutes les tribus. Donc si moi je viens de tomber dans leur jeu où ils font les panels pour m'insulter, je viens insulter toute la communauté bamle, Qu'est-ce que moi aussi j'ai l'eau à la place du cerveau Ce n'est pas l'hypocrisie mon étoile, ça s'appelle la diplomatie. Dans la vie, on n'est pas obligé d'être vulgaire pour se faire entendre. Il fallait voir le panel sur lequel j'étais tout à l'heure. Rien que les commentaires, tu comprenais que l'éducation des personnes qui sont en train de commenter et moi, c'est deux ponts. Moi, je ne peux pas facilement insulter quelqu'un. Tes parties intime. ça va peser, je vais parler autrement. Mais il n'y avait que ça en bas. Et tu penses que moi, je vais venir insulter toute une communauté à cause de cette minorité de villageois qui m'insultaient sur le bas du panel Il faut être plus intelligent. Il faut avoir de la hauteur. Donc, je ne vais pas insulter les bamilékés. J'ai des amis Bamileke, ma soeur. comme tu me vois. J'ai des neveux Bamileke. Je dis des neveux. Donc je ne peux pas tomber dans ce piège. Ma belle-sœur ne peut pas m'insulter. Elle mange mon argent, même avant qu'elle ne mange mon argent, elle me respectait déjà. Donc je ne vais pas venir insulter tout le peuple Bamileke. Pour cela, c'est ce qu'ils veulent. Cette minorité que vous voyez sur la toile, comme ils ont tendance à jouer, à vouloir jouer les victimes. Ils veulent créer un tsunami pour dire que vous voyez, on avait raison, le peuple de l'Ouest est détesté. Or, ils ne représentent pas le peuple de l'Ouest. Allez voir quand on a accueilli Samuel Eto. Madame Ketchakoutez et Samuel Eto étaient à l'Ouest récemment. Il n'y a pas quelqu'un qui a lancé la pierre à Samuel Eto sur la tête. Chacun était content de voir Samuel Eto. Donc, pour cette minorité de BAMS, ceux qui insultent Samuel et To sur la toile, d'ailleurs, ils ne sont pas seuls. Mais puisqu'on parle du peuple BAMS, on va venir insulter tout le peuple Bamileke Non, c'est ce qu'ils veulent. Il y en a qui ont déjà terni l'image du Cameroun. C'est un groupuscule de personnes qui ne veulent pas le bien du Cameroun. Alors, comme ils ont vu qu'ils ont déjà tout perdu, ils veulent tout gâter, ne tombons pas dans leur piège. Vous me connaissez ici. Lauriane Moute qui est la connectée. Moi, je ne cache pas ce que je pense, mon étoile. Je ne cache pas, mais je dis ce que je pense dans le respect. Parce qu'on n'est pas obligé de blesser. Je ne peux pas insulter toute la communauté Bamileke. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils vont couper exprès la partie où je réponds, par exemple, que les Bamileke, pour aller manipuler les autres, ne, ne vous faites pas avoir. Ne tombez pas dans ce piège-là. Nous avons les Bamileke intelligents. Je dis intelligents, qui eux ne peuvent pas tomber dedans. On ne va pas venir les insulter pour cela. D'accord Ils veulent nous diviser, ceux-là qui continuent. Nous ne tombons pas dans ça. Tous ces panels-là, parfois on m'envoie, même quand je ne vois pas. Parfois on m'envoie. Posez-vous la question de savoir de toutes les femmes qui parlent sur la toile, il n'y a que l'étoile cribienne. Pourquoi c'est toujours l'étoile cribienne dans les qu'on récupère C'est parce que l'étoile cribienne n'a pas l'eau dans le cerveau. Ils savent que ce qui émane de la bouche de l'étoile cribienne peut déranger le Cameroun. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix peindre l'étoile cribienne en noir. Moi, quand les gens m'insultent sur les panels, je vous promets mes étoiles sur tout ce qui m'est cher. J'ai les mamans Bamileke qui m'appellent pour me dire que ma fille ne tombe pas dans leur piège je suis bamileke je t'adore j'aime ma soeur bamileke ici là vous la connaissez elle commente ici tout le temps elle dit aux états-unis c'est pas n'importe quel des bamileke elle est bien assise je niki quand elle voit le tribalisme sur la toile elle m'appelle les toi qui bien je ne veux pas que tu tombes dedans c'est une fille bamileke et c'est ce qu'on dit les vrais bamileke dans la tête eux, ils ne viennent pas sur un panel, ils te jugent. Ils cherchent à savoir où il y a le truc. Donc ne tombez pas dessus, mes étoiles. Je vais t'envoyer la vidéo inbox. Diamant brûle ton doigt. Je ne veux même pas entendre ce qu'ils ont dit. Ils ne m'intéressent pas. Ceux-là, -là, ce ne sont pas ceux qui m'intéressent. Les personnes qui m'intéressent, ce sont les personnes intelligentes. On ne va pas faire le Cameroun avec les idiots. On ne va pas faire le cas, construire au Cameroun avec les tribalistes. On va construire au Cameroun avec les, les vrais cerveaux du Cameroun. Tu ne vas pas prendre deux personnes qui m'insultent ou dix personnes qu'on a envoyées, un groupe politique a envoyé faire un panel pour me déstabiliser. Et tu vas laisser peut-être 30 millions de banques qui ne m'ont pas attaqué et tu vas prendre ça au sérieux. Non. Il faut savoir que la bêtise fait beaucoup de bruit, mais elle n'excelle pas. Vous entendez avec quoi? La, vous avez toujours l'impression qu'on vous insulte, que vous êtes détesté. Non, ça vous donne l'impression que vous êtes détesté parce que le cœur n'aime pas voir le négatif. Mais sinon, les gens qui vous aiment sont nombreux. Et moi, je me concentre sur les gens qui m'aiment. Je le dis en toute sincérité. Des fois, le cœur n'est pas une pierre. Je peux trouver quelqu'un quelqu m'insulte, je me déchaîne tout de suite. Mais au final, je vais, me, je vais retenir mes étoiles qui m'aiment, mes frères qui m'aiment. Ils ne peuvent pas l'éonie on déstabilise les camerounais et hein? vous pensez que quand je monte sur un panel et hein, où je vois tout le monde vouloir m'encercler vous pensez que je ne comprends pas quoi on encercle un tonneau vide on encercle quelqu'un qui a un cerveau hum? On n'en sait que pas quelqu'un qui a un cerveau parce que je saurais me défendre. Ils étaient combien contre moi tout à l'heure sur le planète? Je ne me suis pas laissé faire parce que je défends mes idées bec et ongles. Même si tu es qui en face de moi, je viens avec mon idéologie. Je défends mes idées. C'est comme ça. Quand tu es dans la vérité, Dieu va tout te donner les mots pour sortir de la guerre. Ils étaient combien là-bas à me traiter de tribaliste? Entre temps, pendant qu'ils sont en train d'évoluer dans le débat, on n'écoute que des propos tribaux qui émanent de leur bouche. Et vous pensez que les gens intelligents ne sont pas en bas du panel en train d'observer. Vous croyez que ce sont les moutons qui nous regardent? Les vrais Camerounais ne commentent même pas beaucoup. Hein. Ceux-là qui aiment le Cameroun, voilà la Rolandaise Moundjongé. C'est une fille Bamileke, je crois. Allez regarder sa photo de profil. C'est l'étoile crébienne. Donc moi, je vais cracher sur mes abonnés Bamileke. Pour cette pacotille de personnes qui aiment opter pour le tribalisme, jamais. Je ne tombe pas dans ça. Je vais continuer à donner ma voix pour les fléaux de mon pays à mon niveau. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Quand je vois le faux, je parle. Jaïka Azazel, le village brille mon étoile. Quand je vois le faux, je parle. Le jour où ça me dépasse, je ne parle pas. Voici Lorian Moute qui me suit ici depuis. Je crois qu'elle, elle est de l'Ouest. Attends mon cœur. Elle, elle est de l'Ouest et peut-être a une parenté d'Ouala. Des fois, elle se fâche ici, elle, part, elle ne revient plus. Elle reste même quelques jours là-bas, elle boude. Après, elle revient encore. On ne cache pas la lumière du soleil. Parce que je pense que quand ils nous regardent sur la toile, ils disent que non, j'ai vu les débuts de cette fille. On ne change pas comme ça. On m'a connue sur la toile avec la dénonciation, sans parti pris. Je suis une quoi Mais j'ai demandé au président de la République de prendre sa retraite, que tout dîne par sa maison de retraite. Pourtant, je suis une quoi Une tribaliste ne parle pas comme ça. Mais quand le président ou le gouvernement ont raison, je me range du côté du président et du gouvernement. Quand ils ont tort, je donne ma voix pour les Camerounais. Sauf que l'étoile criviane a été détestée par une minorité de personnes. Parce qu'il fallait seulement s'attaquer au gouvernement comme si ce n'est que le gouvernement le problème. Comme si le Camerounais lui-même n'a pas fait un effort sur son caractère. Nous avons eu le cas de la petite de Boya, voilà où tout a commencé. Parce que lorsque qui bien a fait ses sorties, elle n'a appelé personne. Elle n'a parlé que des problèmes de société. Elle n'a parlé que des problèmes de politique. Ils ont commencé à partager mes vidéos partout. Je n'avais appelé personne. Mais il se disait que j'allais être pour le faux, je n'allais pas être impartial. Moi, je opte pour l'impartialité. Je suis de tous les côtés. Le jour où on a qu'il aime la petite de Bouya, ils n'ont pas aimé. Comme si c'est quelqu'un qui devait me prêter les arguments que je dise aux Camerounais que dans une zone à risque comme Bouya, faites attention. Lorsque vous êtes interpellé par les forces de l'ordre obtempéré, parce que tout peut venir. Non, il fallait juste dire que non, le militaire n'a pas le droit de finir avec la petite. Je suis venue présenter mes mea culpa parce que je suis une maman et je me suis dit, bon, peut-être il fallait pas le dire à ce moment-là, mais tout a commencé par là parce que beaucoup de combattants, de faux combattants, ils optaient pour la récupération sur les réseaux sociaux. Tout était bon pour attaquer le pouvoir. Mais moi, je ne fais pas la politique pour attaquer le pouvoir. J'attaque l'injustice. J'attaque ce qui ne va pas. Parce que moi, je n'adhère pas à aller m'installer à Etoudi. C'est la différence entre vous et moi. Voilà où, là où tout est parti. Mais vous pensez que moi, je vais changer ma maxime de vie. Parce que vous êtes nombreux. J'ai toujours dit que c'est une chose qui me tient à cœur dans la vie. Tout le monde sait que je suis comme ça. C'est ma liberté de penser. Si on me prive de ma liberté de penser pour me fixer des directives, dis ce que je dois dire. On m'a dérobé de tout. Parce que l'homme libre, c'est celui qui peut s'exprimer librement. Dis ce qu'il pense dans le respect des autres. Si tu es libre, tu n'as pas les chaînes dans les mains, mais tu ne peux plus t'exprimer. Tu es obligé de suivre le sens de la meute. Mon frère, tu es plus qu'un prisonnier. Mandela disait ça. Mandela l'a dit. Et je pense que c'est ça. Merci Lorian Noute. Moi, je suis pour le changement du Cameroun. Je le clame encore. Mais je ne suis pas pour la barbarie. Je ne suis pas pour la division des peuples. Je ne suis pas pour ça. Mais j'aime d'abord mes villages. J'aime Kribi. J'aime Douala. Ensuite j'aime les autres villages. Si mon village est attaqué, au même titre que je défends les causes sociales et les gens ici sur les réseaux sociaux, ben j'ai le droit de venir donner ma voix. Mais celui qui va me traiter de tribaliste parce que je défends mon village, ça veut dire qu'il est tribaliste. Parce que durant tout le long de l'année, je défends les autres, pas mon village. Mungu, il n'était pas un enfant de Douala. 8 heures du matin, je me suis levée pour demander justice pour cet enfant. Brian Fombor n'était pas un enfant de mon village. J'ai demandé justice pour Brian Fombor. Cabrel Nandip, dit de son vivant ici. Il se faisait copieusement insulter. Vous pensez que j'ai cherché un jour quel était son village Je suis l'unique blogueuse qui allumait sa caméra pour donner la force à Cabrel. Toi, tu me demandes que je suis quoi Mon étoile d'amour. Tu as raison, Tanko. Je ne suis rien. Je suis un simple souffle comme ça que le jour le Seigneur dit que ça s'arrête, ça s'arrête. Tu comprends un peu? Mais quand quelqu'un n'est rien, on ne suit pas ce quelqu'un. Tu vois un peu? Parce que quand moi j'arrive sur les pages où la personne ne me dit rien, je ne commente même pas, je passe comme un taxi plein. Et je vais t'aider ici là à ne plus suivre quelqu'un qui n'est rien et qui ne dit rien. Tu vois, non? Bye bye. Merci d'avoir visité notre village. On est déjà assez peuplé comme ça. Mmh. Bisous, hein. Je ne veux pas m'énerver aujourd'hui. Tu vois, non? Eh. Va m'attendre sur vos panels. Voilà. Bye bye. Mmh. Voilà. Tu vois, non. Par contre, tu peux rester à la fenêtre maintenant. Attends, je, je, je vérifie bien qu'on t'a libéré ici là. Tu vois, non, mon bébé. Mmh. Bye bye. Mmh. Tu te reposes bien. Et il faut savoir que dans le village, si on bloque quelqu'un, il y a des gens qui sont bloqués ici depuis trois ans. Parce que moi, je ne sais pas aller chercher comment on débloque. C'est si je suis sur l'ordinateur que j'arrive à voir comment on débloque. Je sais même, Yvi. Ça me dépasse. Donc, c'est un peu ça. On t'a déjà bloqué, non Ok. Toi, tu es un sorcier. Comment tu fais pour commenter encore Eh Voilà. Tu es désormais bloqué. Tu vois, non Voilà. Moi, j'aime pas les cerveaux vite. J'aime les gens qui ont un peu de jujote. Parce que les gens comme toi, là, avec ton raisonnement, là, je ne sais pas ce que tu peux apporter comme pierre à l'édifice pour construire mon pays. Les gens qui viennent avec le langage du quartier. Les jargons inutiles, là. Nous, on ne sait pas ce que tu peux apporter comme euh, évolution dans notre pays. Voilà. Nous sommes la Nyango. Tu es la seule blogueuse très pertinente dans analyses ici. Prends tes cœurs. Mauricio, merci. Merci pour les cœurs, merci pour les compliments, j'aime ça. Mm -hmm. Marie-Gisèle, le village Brituel, le 10 de méta, je suis avec toi. La Rolandaise, Mounjongé, ça, ce sont mes vraies étoiles. Vous avez vu, non, mes étoiles? Ça, ce sont mes étoiles. Regardez la photo de la Rolandaise. Elle a la photo, là, je ne sais pas depuis combien d'années. Ah, qui est la Rolandaise? Des fois, tu ne vois pas la Rolandaise après des débarque comme ça. Donc, bref, mes étoiles d'amour, je... J'ai l'impression que je banalise le débat, mais nous avons affaire à un problème très sérieux au Cameroun et euh, je prie le Seigneur que les cœurs s'apaisent. Parce que je me reconnais aussi dans, dans, dans cette rage-là et je pense que la toile y est pour quelque chose. Merci beaucoup, Delphine. Je crois que la toile y est pour quelque chose. Depuis 2018, les Camerounais ne sont plus pareils. Et c'est dommage. Il faudrait qu'on essaye de. Nous en tant que personnes suivies sur les réseaux sociaux, il faut qu'on essaye d'éteindre ça, parce que nos enfants grandissent dans ce climat-là et je crains pour l'avenir de demain. Vous vous rendez compte que demain ton enfant va vouloir aller dans un autre village. Tu lui dis non, ne pars pas là-bas, les gens ne m'aiment pas. On ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de crier. Moi, ça me fait mal au cœur. Exactement, très gravissime, Loriane. Nous te remercions. Ça me fait mal au cœur et hum, et ce qui me fait rire, c'est que les gens les plus haineux de la toile essayent de me, eh, hey, qui mes étoiles, c'est qu'elles -ce que sont sélevées de chaleur, ça, yeah. Attendez, pardon, je veux plus qu'on voit mon calisson cette fois-ci, aïa, yeah, hein. Donc voilà, c'était un peu ça, c'était un petit live. On aura le cas. Oh, j'ai quand même aimé ce panel-là. Moi, j'aime les panels comme ça, où il y a un échange convivial quand même. Bon, après, n'était pas très, très convivial parce qu'il y avait beaucoup de tension C'est ce qu'il y a dans nos cœurs, la purée. Et mon cher gouvernement, essayez d'apaiser ça aussi, hein. parce que les Camerounais ont la rage. J'ai peur pour deux mille Moi, qui veux aller au Cameroun en deux mille vingt-cinq, je me dis purée. Je cache mon candy, pardon. On avait vu mon candy ici. Mais toi, regardez comment je brille à la maison. Oui, je brille. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les toits crient bien tu es ce que tes produits là marchent avec les boutons. Je vous ai déjà dit, il y a une ici qui a les poils versés sur les aisselles et sur la fumetta. Elle m'avait insultée parce qu'un été, j'avais plein de boutons sur la poitrine. Après, elle, alors, elle a eu les vrais boutons. Moi, je suis allergique aux fruits de mer. Donc, vous allez constater que tous les étés, j'ai les boutons. Les produits cosmétiques ne soignent pas les boutons. Et ces boutons-là partent seuls. Voilà, tous les étés, quand je mange les... les comment on appelle ça? Ouais, les moules. Je mange les moules, je mange les crevettes, je mange tout ce qui est fruit de mer, ça sort. Le maquereau, si je mange le maquereau, comme je braise le, le maquereau en été, ça sort. Voilà. Donc, vous allez voir, après l'été, vous êtes témoin, ça va partir. Voilà, le gouvernement a une grande responsabilité également. Laurien, nous te suivons, même, déjà ah, fatigué de parler au gouvernement, parce que, eh, hey, moi, j'ai les ennemis partout. Le gouvernement, a mes ennemis, merci, le Coco. Le gouvernement, a mes ennemis, les opposants, ont mes ennemis, le peuple, même, mes ennemis. Moi, je me bagarre avec tout le monde. Niango, pourtant moi j'ai froid, tu peux ouvrir la fenêtre, oui, je veux ouvrir, mais comme je n'ai pas le candy, parce que justement, je m'étais déshabillée, j'ai peur qu'on voit encore. On voit encore mon toutoulou, comme on avait vu la dernière fois, non? Pourquoi Alain Foguet et Ibou n'est-ce pas, Pascal Zambou, ne sont pas libres, eux? Voilà, Gilles, voilà, tu fais bien de parler de ces combattants-là. Voilà, ces prisonniers politiques-là. Est-ce que tu sais que moi, l'étoile cribienne? Gilles Mbézi, les Camerounais oublient vite mon frère. Mais tu sais, le Dieu que je prie ne dort pas. Tous ces prisonniers politiques dont tu fais allusion, je n'avais pas encore toutes les restrictions que j'ai sur ma page. J'ai lancé un live pour eux, sans regarder leur village. On a signalé ce live. Mais tout le monde sait, mais ils font semblant. Parce que je ne, je ne jugeais pas normal. Que les gens qui aient marché pacifiquement se retrouvent enfermés. Moi, l'étoile tribienne. Mon frère, sur tout ce qui m'échait, Lauriane Noute est une vieille étoile. Elle sait que ce que je dis est vrai. J'ai parlé du dossier des prisonniers politiques avec tout mon cœur. Mais quand les gens veulent me faire passer aujourd'hui pour la tribaliste, ils font esprit de ne pas dire aux Camerounais que non. Tout ce qui est fait de société, là, cette fille, ce sont les dossiers qu'elle a dénoncés ici. À quel moment je change mon étoile C'est quand j'ai vu qu'on veut instrumentaliser mon blog. Les gens veulent que je dise ce qu'eux, ils veulent entendre, et non ce qu'ils... je pense qu'ils doivent entendre. Mais je te le dis, je n'ai pas besoin de mentir. J'ai fait un live de plus d'une heure à cette époque pour demander la libération des prisonniers politiques, pour clamer leur... leur, leur une, 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 euh, innocence pour dire au peuple que regardez ce que les prisonniers politiques qui ont marché pour le changement sont en train de vivre. Vous êtes incapables de demander justice pour eux. Moi, l'étoile tribienne, j'ai fait ça. Je n'étais pas tribaliste quand je faisais ça. Parce que moi, quand je faisais ça, je ne regardais pas de quel village ils sont. Je regardais simplement que je ne vois pas pourquoi un Camerounais doit aller en prison parce qu'il ne veut plus le même président. Moi pour moi je opte pour la démocratie. Et quand j'ai fait, vous savez à quel moment on me traite de tribaliste? Le dossier d'Amougoubelinga est venu parce que moi j'ai vu le tribalisme sur la toile. À quel moment je défends dans le dossier Bellinga. Je vous explique mes étoiles. L'Orient, nous te connaît l'histoire. Au départ je ne prévois pas défendre Bellinga. Vous savez pourquoi mes étoiles? Parce que quand il y a Kilam comme ça, moi je sais que ce sont des dossiers très sensibles. Mon grand-père me disait souvent, quand il y a Kilam, parle toujours en dernier. C'est parce que je suis têtu. Quand le dossier d'amougubelinga sort le premier jour, je ne parle pas. Parce que je regarde ce qui se, ce qui se passe, si vraiment il a tort. Je tombe sur une page de tribalistes où ils ont pris la photo d'amougubelinga. Ils ont montré le peuple Betty avec Bellinga dessus et le peuple Betty le jette. C'est là où je me pose dans la question de savoir si c'est vraiment vrai Belinga est Kilam Martinez ou si ce n'est pas un montage à cause du tribalisme. Presque toutes les pages où j'allais, c'était les moqueries sur Et Je me pose la question, mais est-ce que ce n'est pas un règlement de compte Et je me rappelle que tontonj.remingono avait fait une vidéo quelques semaines avant parce qu'à l'époque, je dormais sur la page de tontonj.remingono. Tout pas, bah j'aimais vraiment ce qu'il faisait. Et il avait fait quelques semaines avant une vidéo pour dire que Amugubenga va qu'il Martinez, il va couper ses doigts, il va couper ses pieds, il va couper ceci. Bon, je ne pas que je prête les mots, il faut aller regarder la vidéo. À l'inspecteur Derrick que je suis, je réfléchis, je dis, entre ce que je vois là-bas, on ne fait que parler de l'immeuble et quand. Où est le rapport avec Martinez on sent les vidéos où Amougou était arrogant. On montre aux bêtis que Amougou les insultait pour dire qu'ils ne sont rien. J'ai commencé à avoir l'impression que c'est toute une cabale ou c'est prévu. Et puis je me pose la question que me j'ai dit. Eh, si moi je suis milliardaire, je suis entouré comme Amougou a était entouré, Et je veux qu'il aime quelqu'un. Si je sais déjà que sur la toile, tout le monde sait comment je veux qu'il aime Lauriane Nouteux. On m'a déjà dit comment je vais finir avec L'Orient Nouteux. Est-ce que vrai, vrai, je vais procéder de la même façon, sachant que je serai la première à être indexée, puisque la toile est déjà au courant que j'ai... On a dit que je vais faire... C'est là où je sors aussi pour dire que, comme c'est une question de tribalisme, je vois le tribalisme partout. Moi-même aussi, je vais le défendre avec les propos tribaux. Vous comprenez, non, mes étoiles Ce n'était pas que... Je suis aussi sorti pour dire que ok, puisque certains utilisent des propos tribaux pour condamner Amugubelinga, je ne suis donc pas sûr que cette histoire qui qu'on dit là est vraie. En attendant que la justice fasse son travail, moi aussi je vais venir plaider pour sa cause en utilisant des propos tribaux. C'est comme ça que je fais une vidéo en utilisant des propos tribaux. Mais il faut que vous sachiez que c'est un sujet qui a mené la réplique. Mais sauf que sur la toile, il y a beaucoup de manipulation. Vous comprenez Il prenait, puisque à cette époque, je n'étais pas signalée. Je faisais les lives minimum avec mille personnes. Et il savait que cette page va influencer le jeune qui regarde. Il fallait donc faire quoi Décrédibiliser cette fille parce que... Peut-être qu'elle est un danger. Ils ont commencé à multiplier les lives sur les pages politiques pour me jeter à la vindicte populaire. Mais mettez-vous un peu à ma place. Est-ce que vous aurez agi pareillement ou pas? Ce n'était que ça. Jusqu'ici, voilà le rien douteux. La justice n'a pas fait son travail. Mes frères et sœurs Camerounais, quand vous entendez qu'on dit que oui, Amougou tu as trop mangé l'argent des Camerounais. On va encore voir comment tu vas monter en jet privé. Ne te voilà pas d'une personne qui a un peu de jugeote. Je ne suis pas bête. Je vais me dire, mais on reproche à cet homme d'avoir ôté la vie d'un être humain ou on lui reproche d'être riche. Je ne comprenais pas le rapport. Parce que si tu as fait du mal à mon frère et que j'ai les preuves tangibles, moi je ne vais pas gérer ta richesse, je vais gérer les faits. L'immeuble est quand il était devenu un problème. Oh, tu vas voir. Tu n'auras plus l'immeuble et quand c'est terminé, comme c'est ça qui te faisait prendre de la grosse tête. Oh, tu étais amis avec les généraux, les présidents, tu vas voir. Moi, je voyais tout ça. Je déteste l'injustice sous toutes ses formes, mes étoiles. Je dis que Dieu m'en est témoin. Même si tu es de quel village? Je vois que tu es en train de subir l'injustice. Avec ma page suis mes étoiles. Même si j'ai quelle armée contre moi, je vais venir te donner ma voix. Même si on m'insulte après, je vais prendre sur moi. Tu comprends? Mais si je sais que tu es dans la vérité, quand je finis mes lives, je vais mettre mes genoux à terre que Seigneur, je t'en supplie, fais éclater la vérité. Pour moi, quand je défendais mon Bellinga, j'insiste encore. Rien à voir avec le tribalisme. Quand j'ai défendu Bruno Bidian, c'était pareil. Parce que je m'étais dit que dans le dossier à Bellinga, si Bruno Bidian sort et que quelques jours après il vient, on le laisse, il fait les reportages et puis il s'assoit et défend les mêmes causes que moi. Moi, c'est par solidarité de la cause que je suis venu m'accrocher derrière Bruno parce que j'aimais le fait que Bruno fasse des reportages sur les routes délabrées de notre pays. J'aimais ça parce que je vous avais montré les routes en France. Mes routes de voiture ne se, ne se pèsent presque jamais parce qu'ils ont fait l'effort de faire des travaux. Je suis fière de payer des impôts parce que je sais que ces impôts servent à développer quelque chose. Et quand Bruno filmait ses routes, je disais enfin, les Camerounais commencent à comprendre, en faisant ça, ça va interpeller l'opinion publique, ça va interpeller le gouvernement. Lorsque je me lève un matin, j'apprends que Bruno a été arrêté, mais je ne trouvais pas légitime qu'on l'arrête. Parce que beaucoup de Camerounais parlent de ces routes. Steve Fah est au Cameroun. Steve Fah pas souvent filmé les routes là. On ne l'arrête pas. J'ai dit, pourquoi on arrête Bruno Il y a quelque chose Donc on a profité de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Et j'ai trouvé que Bruno subissait une injustice. Mais comme les gens avaient une dent contre Bruno, parce que le Bruno est du RDPC, il fallait que Bruno aille en prison. Mais ce n'est pas comme ça la politique. Tu ne peux pas vouloir enlever la liberté d'un compatriote parce qu'il est pour le, le parti au pouvoir ou il est pour l'opposant. On a le droit d'être pour un opposant. On a le droit d'être pour le parti au pouvoir. Nous sommes dans un état dit démocratique. On ne peut pas vivre comme si on était dans un état dictatorial et après on va dire que le gouvernement, lui, il est dictateur. Et nous-mêmes, on agit pareil. Tu tous ici sur les réseaux sociaux, si quelqu'un n'est pas content, il lance une cabale de dénigrement contre toi. Si tu as fait du mal à une personne, cette personne est prête à t'envoyer en prison, sans raison légitime. Où va-t-on? Dans quel monde? Qu'est-ce qu'on veut construire? Et vous pensez que moi, l'étoile cribienne, parce que je veux l'amour de tous les Camerounais, je vais changer ma ligne éditoriale. Ah, c'est mal me connaître. Même à l'école, j'étais têtue. C'est ce que je dis souvent à mon frère du Camel à sur la toile, que moi, si j'étais toi, je suis le genre de personne, j'ai du caractère. Un homme doit avoir du caractère. Même si je dois perdre tout le monde, je me retrouve dans mon village, c'est avec une étoile. On va parler nous deux ensemble. Mais je sais au moins que c'est quelqu'un qui respecte mes prises de position. C'est pas quelqu'un qui va m'obliger. Donc vous pensez que moi, tant que je vais dormir, je sais que ma ligne éditoriale est honnête. Je vais changer. Jamais. Ne rêvez même pas. Mes combats seront les mêmes. Le jour où je veux m'adresser au président de la République dans le respect de notre constitution camerounaise, je vais le faire. Le jour où je veux m'adresser aux opposants, tant qu'ils parlent au nom des Camerounais, si ça ne va pas en adéquation avec les changements auxquels on adhère, je vais me prononcer. C'est comme ça. Celui qui n'est pas content, tant pis. Si vous pouvez vous adresser au gouvernement, on peut s'adresser aux opposants parce que c'est nous qui, vous, qui allons vous donner vos voix. Les voix qui vont vous amener à étudier. C'est la voix des Camerounais. Donc, on a notre mot à dire. Voilà. Bref. Pour une belle peau, mes étoiles, naturellement clair, sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair. Passez vos commandes sur le site Cribiclair, élaboré pour les peaux noires mathématiques. Mes étoiles, vous voyez comment je grossis, non Il y a une fille là qui m'insulte. Désolée, vous savez que j'aime je... le Congo, ça. Il y a une fille là qui m'avait insulté sur les réseaux sociaux, sur les pages plusieurs fois. Je vois qu'ils ont coupé ma vidéo d'or. Elle met en commun, Elle pose la question que la fille si elle a fait ses seins, On peut insulter quelqu'un, détester quelqu'un et s'occuper de sa vie comme ça. Maman, c'est naturel. Ce n'est pas le plastique. Hein? C'est pour ça qu'il y a les, le soutien pour soutenir. C'est du bio. La mère des étoiles ne sera plus criquée. Quand vous m'insultez, là, voilà le poids qui est en train de venir, mais vous mentez, je ne vous retrouve pas dans le poids. Le poids n'est pas la santé, c'est la maladie. Parce que quand tu marches, tes cuisses se collent. Tu fais une petite marche comme ça, tu es déjà essoufflé. Déjà moi-même depuis ma bord quand je marche, je suis déjà essoufflé. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser, n'oubliez pas. Allez, voilà, la voilà le septembre qui arrive. Donc prenez l'argent des cahiers de vos enfants, l'argent de la rentrée, vous partez acheter vos produits pour vous faire beau et belle. Les produits cribiclés ne blanchissent pas. Ça ne décape pas, ça nettoie la peau, clarifie, unifie de façon naturelle. Nous avons la gamme Kribiklé, la gamme 21 éclat plus et la gamme Royal Brilliance. La gamme Kribiklé à 165 euros, la gamme 21 éclat plus 235 euros, la gamme que moi-même j'utilise 295 euros, c'est la gamme Royal Brilliance. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, appelez les représentants. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page. Et si vous êtes ailleurs. Vous passez la commande directement sur le site Clair. Mouto, il me faut un pack. Je viens sur cette page. Moi, j'aurai une réduction. Oui, les personnes qui m'appellent en privé pour avoir une réduction du premier achat. Je vais faire une réduction en cachette, pardon, mais ne me ruinez pas, pardon. Et c'est quoi avec vous?